l'histoire, dans quelque collectif que ce soit, ou dans une civilisation extrêmement élaborée, ou dans une tribu qu'on dit primitive, on peut relever, avant la naissance de la science, un certain savoir. Il y a presque toujours des nombres, des formes, des classifications d'animaux et des médecins. Ce n'est pas encore là le début de la science. Pourquoi ? Parce que, à certains moments de l'histoire, une chose extraordinaire se passe, c'est que tous les savoirs bougent ensemble. Tout se transforme et tout se met à naître. Et, par exemple, actuellement, tout change. Les techniques de savoir, bien sûr, l'enseignement, les mathématiques, la physique, l'astronomie, la chimie, la médecine, etc. Il semble tout d'un coup que le corps du savoir avance comme un grand fleuve, comme un tronc majeur. Dès lors, quand la science a-t-elle commencé et où? Alors on peut dire oui, elle a eu des commencements en Chine, elle a eu des commencements dans les Indes, elle a eu des commencements à Babylone, en Égypte. Mais dans ces pays-là et en ces temps-là, ce grand mouvement n'a pas complètement eu lieu. Or, au 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ, dans les pays où on parle grec, cet énorme mouvement a eu lieu. Et depuis que ce grand mouvement a commencé, nous nous référons à lui comme à notre source. C'est-à-dire, à certains égards, nous sommes encore des enfants grecs. Ce que les Grecs inventent d'abord, c'est ce qu'ils ont nommé la paideia. C'est-à-dire, au fond, ce que nous appellerions l'éducation des enfants. Qu'apprenait-on? On apprenait d'abord l'Odyssée d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, les poèmes homériques. Et l'Odyssée est un voyage. On voyait partir Ulysse, le marin astucieux, dans toutes les terres et les mers inconnues. Et ce voyage, c'était la pédagogie. Lorsqu'Ulysse part en voyage, il part par les terres connues et les mers inconnues, et par conséquent, on cartographie le monde. Et le premier apprentissage de l'enfant grec, c'est le monde. La géographie. Par parenthèse, à mesure qu'on fait de la géographie, on fait aussi un peu d'histoire. Les peuples que l'on rencontre, les terres que l'on traverse, et ainsi de suite. Mais lorsqu'on navigue, il faut tout de même se repérer. Et non seulement on observe les côtes, mais on observe aussi le ciel. Immédiatement, on apprend des éléments d'astronomie. Mais pour naviguer, il faut savoir aussi barrer, amener les voiles, l'ensemble des actes que fait un marin sur un bateau. Mais de plus, comment construire le bateau? Mais de plus, comment se repérer avec la lumière? Et par conséquent, tous les arts, tous les métiers et toutes les sciences du temps sont enveloppés dans le récit de l'Odyssée. Et la paideia est à la fois savante, parce que beaucoup de choses scientifiques se trouvent dans ce texte, mais elle est aussi plaisante, parce que l'Odyssée est un texte merveilleux qu'on peut réciter parce qu'il y a des vers et chanter parce qu'il y a de la musique. La science grecque a connu des écoles. Dans toutes les villes du littoral de la Méditerranée, il a existé des écoles, non seulement au sens de la paideia pour les enfants, mais aussi des écoles au sens de campus ou de centres de recherche ou même ce qu'on pourrait appeler des universités. Les plus grands noms, Hippocrate était à Kos, comme Platon était à Athènes, Archytas de Tarente, Platon d'Athènes, Hippocrate de Kos, Eudoxe de Cnide, Thalès de Milet.
on donne leur nom et on donne aussi leur lieu d'origine. Tous ces savants ont une caractéristique tout à fait extraordinaire, c'est qu'ils ne restent pas à Milet, ils ne restent pas à Kos, ils ne restent pas à Athènes, ils voyagent. Par exemple, on connaît les voyages de Platon en Sicile, on connaît le voyage de Thalès en Égypte, on connaît le voyage d'Hippocrate à peu près partout et il revient à Kos. Et surtout, on connaît les voyages des sophistes, qui étaient des encyclopédistes, c'est-à-dire de très grands savants, et qui étaient payés pour enseigner et qui allaient vendant leurs services aux plus offrants. Et par conséquent, le monde de la science grecque, qui est un monde d'invention permanente et d'un dynamisme tout à fait extraordinaire, est un monde où les savants voyagent. C'est le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les savants voyagent pour rencontrer ou échanger des informations. Et dès le 6e, dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, on voit les savants s'agiter sur tout le pourtour de la mer Méditerranée. L'Odyssée raconte l'histoire d'Ulysse et de Télémaque, son fils, son enfant, parti à la recherche de son père, perdu sur les eaux bleues de la Méditerranée. Vous retrouverez les lieux d'errance d'Ulysse quand vous rencontrerez le savetier qui a cousu le sac des vents, disait Ératosthène. De même pour les sciences, pour le voyage dans les connaissances, elles sont contenues dans ce sac des vents. Partir à leur découverte, c'est chercher ce savetier, tirer le fil qui a cousu le sac, tout comme Pénélope qui tirait les fils de sa tapisserie à la tombée du jour. Nul ne sait ce qu'elle tissait, quel tableau, quelle légende. La voici la légende, la voici l'Odyssée. Le voici le long et périlleux voyage. Dans un endroit tout à fait petit, entre la côte turque et quelques îles de la Méditerranée, comme un coup de tonnerre, une invention a eu lieu voici déjà deux millénaires. Et cette invention tient à un mot, un seul mot. Lorsque nous voulons parler de science aujourd'hui, nous disons par exemple biologie, ça veut dire bio, la science du vivant. On dit cosmologie, cosmos, c'est la science du monde. On dit topologie, topos, c'est la science des lieux. Mais dans tous les cas, on dit logie. Et logie, ça veut dire le discours rigoureux. Et cela se disait en grec logos. Nous ajoutons à tous les mots logie pour dire qu'il s'agit d'une science. Et ce logos, qui voulait dire la parole ou le discours dans la langue grecque ordinaire, voulait dire dans la science le rapport A sur B. Et encore mieux, le double rapport A sur B égale C sur D. Et ils appelaient cela l'analogie. Et ce logos, ou ce rapport, a été inventé exactement dans ce lieu. Voici comment. Vous prenez l'île de Samos, tout près du littoral turc. À Samos naît Pythagore. Et Pythagore invente l'arithmétique. Et dans l'arithmétique, il invente justement ce rapport 2 sur 4 égale A sur B. Il invente justement ce rapport 2 sur 4 égale 8 sur 16. Il invente le rapport entre les nombres entiers et donc des nombres qui, un jour ou l'autre, s'appelleront fractionnaires, et qui, un jour ou l'autre, s'appelleront rationnels, et toute la théorie des nombres va découler de là. De l'autre côté de l'île, sur la côte turque, un autre homme, appelé Thalès, et qui naît à Milet, invente le fameux théorème de Thalès, c'est-à-dire les triangles semblables entre eux. Et encore, c'est le logos, puisque tel côté
par rapport à tel côté est égal à tel côté par rapport à tel côté, c'est encore le même logos. Un peu à côté de Milet est une grande ville qui s'appelle Éphèse. À Éphèse naît Héraclite. Et Héraclite est un physicien. Et il est le premier très grand physicien de l'histoire. Et lui décrit les phénomènes du monde, l'évolution des choses, le passage du temps, les apparences. Et il cherche derrière les apparences la cause des choses. Et cette cause, il l'appelle le logos. Le logos arithmétique, le logos géométrique, le logos physique. Vous descendez encore la côte turque et vous arrivez dans un port aujourd'hui détruit qui s'appelle Cnide. Et là, Eudoxe de Cnide invente de nouveau un logos, et ce logos un peu plus compliqué donnera naissance à tout le discours algébrique moderne. C'est le logos de l'algèbre. Eh bien, remontons maintenant la côte turque et allons de nouveau dans les îles. Et juste à côté de Samos, il y a une île appelée Patmos, où, bien après l'ère grecque, Saint Jean l'évangéliste a écrit cet extraordinaire début de son évangile où de nouveau il dit au commencement était le logos. Et ce logos, pour lui, c'est encore un rapport, exactement le même rapport que l'ère grecque avait inventé, puisqu'il dit Dieu est à son fils ce que son fils est à l'homme même. Donc il dit de nouveau le rapport et l'égalité de deux rapports. Et donc dans un petit mouchoir de poche, c'est-à-dire dans un espace extrêmement petit que vous pouvez visiter à la voile en 2 jours, entre le littoral de la Turquie actuelle et quelques îles disséminées le long de ce littoral, vous êtes dans le lieu où, voici 2 millénaires, naquit ce qui fit de nous des esprits rigoureux, c'est-à-dire le logos et le rapport de langue grecque. Pour bien comprendre l'esprit grec, une carte fait bien voir que Babylone est au centre du monde et que le fleuve qui l'arrose, le Frate, est le fleuve principal du monde et que toutes les populations alentour sont à la fois lointaines et un peu oubliées, méprisées. Si vous le comparez cette carte à la toute première carte qui est probablement celle d'Anaximandre chez les Grecs, vous vous rendez compte que la carte des Grecs, c'est la carte du monde. Il y a absolument toutes les terres habitées, la Grèce est un cas particulier, mais toute la Méditerranée est représentée, le monde plus ou moins circulaire est représenté et entouré en entier du fleuve océan. D'un côté, vous avez une carte particulière qui considère que sa propre ville est le centre du monde, et déjà de l'autre côté, vous avez une carte du monde. Quelque chose d'universel. Muse, dis-moi le héros aux 1000 expédients, l'inventif, qui tant erra quand sa ruse eut fait mettre à sac l'acropole sacrée de Troade, qui visita les villes et connut les mœurs de tant d'hommes, combien en son cœur il éprouva de tourments sur la mer quand il luttait pour sa vie et le retour de ses compagnons. Boréal, Tramontane, Apelliote, Euros, Notos, Libonotos, Zéphyros, Kertios, voici les vents qui soufflent sur le monde. Ils sont les 8 points cardinaux. Cela, c'est ce que sait Ulysse quand il entreprend son voyage depuis Ithaque autour de la Méditerranée. Ulysse est sans doute un explorateur mythique. Il doit correspondre à des figures historiques, mais les voyages d'Ulysse sont certainement une compilation de bien des voyages. Mais nous connaissons des explorateurs réels, par exemple Pythéas de Marseille. Pythéas de Marseille, qui a vécu certainement au IVe siècle avant Jésus-Christ,
dépasse la païdéia, il dépasse la pédagogie, c'est-à-dire le voyage des enfants, il dépasse en même temps le voyage d'Ulysse. Il part de Marseille, il vogue vers le sud, il passe ce qu'on appelait les colonnes d'Hercule, c'est-à-dire le détroit de Gibraltar, il remonte le long de la côte espagnole, il reconnaît les îles du Ponant, du côté d'Ouessant, il passe vers la Manche, il fait sans doute le tour de l'Angleterre. Certains pensent qu'il est allé jusqu'à l'Islande, en tout cas il explore la Scandinavie, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la Norvège, la Suède et les côtes de Finlande. Il a donc une expérience très large des pays et des mers en dehors des terres habitées, c'est-à-dire de la Méditerranée. Et nous sommes à peu près certains qu'il l'a fait pour plusieurs raisons. D'abord parce que Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle, raconte avec beaucoup de précision un ouvrage qu'il aurait écrit, que nous n'avons plus bien entendu, et qui s'appelle « Sur l'océan », où il estime la force des marées sur la côte bretonne, avec des rythmes de marées, et il semble bien qu'il ait eu une très bonne théorie pour expliquer le rythme des marées d'après la Lune, c'est-à-dire il est à peu près certain que l'influence de la Lune sur les marées était connue dès le IVe siècle par Pythèse de Marseille. J'ai vérifié dans ce golfe tranquille l'influence de la Lune sur le flot. En ce moment, Artémis, notre vaisseau, se montre dans toute sa splendeur. Et la mer s'est avancée plus loin qu'hier, mais s'est aussi retirée plus loin. La différence de hauteur semble être de 4 fois 20 coudées, ce qui me paraît énorme. Mais d'autre part, on a aussi un témoignage de lui sur le raccourcissement des jours selon les saisons. Et ce pourquoi nous croyons qu'il est allé si haut, c'est qu'il y a un texte de lui où il semble que Pythéas ait dit qu'il ait vu le soleil se lever immédiatement après s'être couché. Par conséquent, il serait allé sur des latitudes très hautes au moment de l'été. Et nous n'avons à cette époque que son témoignage pour parler de la longueur des jours, de la longueur variable des jours. Le soleil s'est enfin montré entre les nuages gris. J'ai pu calculer les nombres qui forment une relation entre l'ombre et la hauteur du gnomon. Nous approchons du solstice et le jour est encore plus long ici qu'au pays des Bretons septentrionaux. Il dépasse 19 tours de sablier. Comme j'essayais de faire comprendre aux hommes du pays que je voulais aller à Tulé, ces barbares nous ont montré le lieu où se trouve la couche du soleil, l'endroit où le soleil a son trône et son lit, car c'est là qu'il se couche et c'est là d'où il se lève. Et il est avéré aussi par d'autres historiens qu'il aurait inventé la notion de latitude. Comment a-t-il inventé la latitude ? C'est que lorsqu'on regarde un cadran solaire, tout le monde croit qu'il donne l'heure. Un cadran solaire, pour les Grecs, ne donnait pas l'heure. C'était un observatoire astronomique. Et cet observatoire astronomique donnait la longueur de l'ombre au jour le plus court, la longueur de l'ombre au jour le plus long, c'est-à-dire aux deux solstices d'hiver et d'été. Et il donnait la longueur de l'ombre au jour de l'équinoxe. Et que si on trace l'angle formé par la tige du gnomon ou du cadran solaire, l'extrémité du gnomon et le point de l'ombre équinoxiale, on obtient un angle qui est très exactement l'angle de la latitude. Et c'est cette observation que pour la première fois Pythéas de Marseille a faite. Et il a remarqué que cet angle-là était la hauteur du lieu considéré. Par les rapports de la longueur du gnomon et de celle de son ombre, je peux affirmer que nous sommes en ce moment à plus de 9000 stades de Marseille, au-dessus de la ligne médiane du monde. Le jour dure en ce moment près de 18 tours de sablier. Mais les barbares m'ont fait comprendre que pendant l'hiver, le soleil ne s'élève au-dessus de l'horizon que de 9 coudées, ce qui concorde avec la hauteur du soleil à la position de Marseille. L'inventeur ici de la latitude ne peut pas porter autre chose que 3 titres à la fois. Il est astronome parce que le cadran solaire est un observatoire astronomique. Il est géographe
parce qu'il détermine la latitude du lieu, et il est géomètre parce qu'il ne découvre cela que grâce à un théorème concernant l'égalité des angles alternataires. Parce que pour trouver l'angle de la latitude, il faut aussi faire une certaine opération sur le schéma indiqué par le gnome. Et donc là, son exemple est intéressant pour mettre en rapport la légende et l'histoire. C'est-à-dire d'un côté l'exploration de la Terre, de la figure de la Terre, de la mesure de la Terre, et le rapport qu'il peut y avoir là avec les schémas géométriques, c'est-à-dire les points, les angles, les lignes droites et les mesures. L'Artémis flotte au milieu d'une chose inconnue, que je ne peux qu'appeler le poumon de la mer. Ce n'est pas de la glace dure, ce n'est pas de l'air, ce n'est pas de l'eau. Hérodote raconte dans son livre sur l'Égypte, dans ses histoires, que Sésostris, le pharaon, a partagé un jour la terre entre les paysans égyptiens. Chacun avait son lot et chacun travaillait son lopin de terre. Et il ajoute qu'au moment de la crue du Nil, lorsque les eaux recouvrent complètement les champs, il arrivait parfois qu'en se retirant ou en venant, les eaux du Nil écornent une partie de ce champ. C'est-à-dire qu'il y a un affouillement dans la rive, qu'il y a un effondrement de terrain, et que le paysan égyptien se trouve tout d'un coup lésé. Bien entendu, le partage des terres qu'avait fait le pharaon était un partage qui assurait la subsistance, certainement, la propriété de chacun, mais surtout, il calculait ainsi l'assiette de l'impôt. Or, lorsque le paysan se trouverait frustré d'une partie de son terrain, il gagnait moins d'argent et il voulait payer moins d'impôts. Alors, dit Hérodote, le pharaon envoyait sur place un fonctionnaire royal qu'on appelait Harpédonapte. Ce nom barbare signifie l'homme qui tient le cordeau, c'est-à-dire le géomètre. Le géomètre au sens que nous donnons encore à ce terme lorsqu'on fait des mesures sur le terrain. Et alors, il allait sur place, l'Harpédonapte, l'homme du cordeau, allait sur place et mesurait le fragment de terrain qui manquait. Et là, on déduisait de là l'impôt que le paysan égyptien n'avait plus à payer. Donc, dans cette histoire, il y a à la fois le partage des terres, le dessin de chaque champ, carré, rectangle, losange. Ensuite, l'affouillement de terrain qui enlève une partie de ce champ aux paysans et le rapport entre la surface de la terre et l'assiette de l'impôt. Et Hérodote conclut de cette histoire que probablement c'est de là qu'est née la géométrie. Mètre, ça veut dire mesurer, et géo, ça veut dire la terre, comme dans géographie. Donc géométrie, ça veut dire mesurer la terre. Est-ce que de là viendra la géométrie abstraite ? C'est toute la question. Et on raconte que
Thalès, parti un jour pour l'Égypte, voit le soleil se lever et se coucher derrière les trois grandes pyramides. Et, mesurant l'ombre que faisaient les pyramides devant le soleil, il a rapporté cette ombre à l'ombre que faisait son propre corps à la même heure. Vous voyez donc la pyramide debout, l'ombre longue qui étale sa noirceur derrière la pyramide. Vous voyez l'homme debout, son ombre portée sur le sable. Voilà deux triangles, et il observe qu'il y a le même rapport entre la hauteur d'une pyramide et son ombre portée que le rapport entre son propre corps et l'ombre portée de son corps. Il invente donc le fameux théorème des triangles semblables. Et ce théorème des triangles semblables, c'est le théorème de l'échelle. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut représenter un objet qui garderait la même forme et qui n'aurait pas la même taille ? Invariance de forme par variance de taille. Et l'invariance de forme par variance de taille, c'est précisément le problème de l'échelle. On voit donc bien là qu'on peut, de nouveau, comme au moment de Pitens de Marseille, faire un rapport entre la géographie, c'est-à-dire le problème de la carte, le problème de la représentation, le problème de l'échelle, d'une part, et d'autre part la géométrie, c'est-à-dire l'invention du théorème des triangles semblables et probablement l'invention du premier de tous les théorèmes, c'est-à-dire l'invention de la géométrie elle-même. Hémisphère boréal, le voyage de Pythéas de Marseille avait permis de cartographier la Terre, mais aussi d'une certaine façon de cartographier le ciel. Le ciel des Grecs n'était pas le ciel de l'Islande découverte par Pythéas, ni celui de l'Égypte où s'étaient rendus Thalès et Ératosthène. Le voyage avait permis d'agrandir ensemble terre et ciel. Ulysse lui-même avait dû voir des constellations près de l'actuelle Tunisie, qu'il ne pouvait voir dans le ciel d'Ithaque. Pour observer le ciel, il faut un observatoire. Les Grecs n'en avaient pas. Ils n'en avaient pas besoin dès lors qu'ils avaient un axe fiché dans le sol, un cadran solaire, un gnomon. Voici une éclipse de lune. Nous voyons l'ombre de la Terre qui vient cacher lentement la Lune. Les Grecs connaissaient la taille de la Terre, mesurée par Ératosthène. L'ombre de la Terre est 3 à 4 fois plus grande que la Lune. Les Grecs connaissaient la taille de la Lune. Et ici, Aristarque de Samos estimait la distance relative du Soleil et de la Lune à la Terre, en prenant des mesures sur un triangle construit le plus exactement possible, de façon à être semblable au triangle rectangle formé par les trois astres, à l'instant où la Lune se trouve en quadrature, et où, pour définir le triangle, il suffisait d'observer l'angle à la Terre. Comme Thalès, Aristarque fabrique le modèle réduit de telle situation astronomique. Mesurer l'inaccessible consiste à le reproduire, ou à le mimer dans l'accessible. C'est ce que fait Thalès, c'est ce que fait Aristarque, c'est ce que fait toute légende.
Certaines étoiles bougent dans le ciel. On peut suivre leur trajectoire. Particulièrement l'une d'entre elles qui semble aller, puis revenir, puis repartir. C'est la planète Mars. Comment expliquer cette étrangeté? Il y a deux sphères, l'une dans l'autre. La première contient les étoiles fixes, la seconde les astres errants, les planètes. Les deux sphères tournent l'une dans l'autre. C'est ce mouvement qui explique le monde. Ce mouvement combiné produit une courbe. Eudoxe l'appelait l'hypopède. Ce ne sont pas des sphères qui tiennent les astres ensemble. Nous le savons aujourd'hui. C'est une force, la gravitation universelle. Mais l'explication de Eudoxe avait le mérite de proposer un modèle. Ce qui caractérise l'astronomie grecque dès le départ, par rapport à toutes les astronomies qui la précèdent ou l'accompagnent, c'est l'extraordinaire précision du modèle géométrique qu'ils ont utilisé. Les Grecs n'avaient qu'une idée, et ils le disent très souvent, c'est de rendre compte des apparences. Qu'est-ce qui m'apparaît et comment peut-on expliquer ce qui apparaît ? Le mot phénomène est un mot grec, ça veut dire l'apparence. Derrière l'apparence, il y a une raison. Et cette raison, elle est toujours expliquée de manière géométrique. Et par exemple, les Grecs, depuis le départ jusqu'à Ptolémée, à la fin de l'ère grecque, ont réellement hésité entre l'idée que le Soleil pourrait être au centre du monde ou que la Terre pourrait être au centre du monde. Et donc, il y a deux modèles possibles, ce qu'on a appelé le géocentrisme, la Terre est au centre du monde, ou l'héliocentrisme, le Soleil est au centre du monde. Et à supposer que le premier soit vrai, alors il y a un modèle géométrique qui l'explique. Comment les planètes tournent autour du Soleil, comment la Terre tourne autour du Soleil. À supposer que le second soit vrai, le géocentrisme, comment les planètes tournent autour de la Terre, comment les étoiles tournent-elles autour de la Terre. Et un nouveau modèle géométrique l'explique. Et il disait, dans ce cas-là, il y a équivalence des hypothèses, c'est-à-dire, étant donné que je peux expliquer de façon rationnelle et le mouvement du monde d'après la première hypothèse et le mouvement du monde d'après la deuxième, alors les deux modèles sont équivalents. On n'a pas d'idée d'une telle précision, d'une telle exactitude et d'une telle tolérance dans les théories. Les Grecs ont fait rentrer dans l'astronomie le modèle de la géométrie. Et c'est depuis cette voie qui a été choisie par la science et nous n'en sommes jamais sortis. C'est un chemin qui ne nous a jamais manqué. De très passionnant dans le cas de la musique, c'est d'abord l'application de l'idée d'harmonie musicale à toute la physique et au monde. Et lorsque Platon écrit le timé, c'est-à-dire le dialogue qui relate la création des choses ou la fabrication de l'univers, l'idée d'harmonie est toujours là, aussi bien pour expliquer la circulation des astres que pour expliquer la forme du ciel, que pour expliquer le mélange même des choses. Il y a toujours une idée musicale, c'est-à-dire la gamme est utilisée pour faire voir la structure profonde des choses. Et d'autre part, une des théories pour expliquer la création même des mathématiques grecques, c'est précisément la musique. On raconte que Pythagore, sortant d'une promenade, avait entendu le forgeron au travail. Il avait écouté le bruit que faisait le marteau sur l'enclume. Et revenant chez lui,
Il aurait, dit la légende, pendu des cordes à son plafond avec des poids et il aurait cherché des correspondances sonores avec la longueur de la corde. Et du coup, il aurait inventé ce que nous appelons la gamme, c'est-à-dire la progression des notes selon la longueur des cordes. La musique est peut-être ce par quoi ce miracle grec s'est formé, et on en a une bonne démonstration dès le moment où Euclide, qui est le plus grand écrivain en langue grecque pour les mathématiques, a à la fois une œuvre qui relate les problèmes musicaux et une œuvre qui relate l'encyclopédie géométrique. Qui touchait à la fois au monde physique et au monde abstrait chez les Grecs était la théorie pythagoricienne, qui n'avait d'ailleurs qu'une phrase pour l'exprimer: toutes choses sont nombre. Il voulait dire par là que le nombre était le modèle d'explication générale de toutes choses. Et donc, cela a été vrai pour l'astronomie, aussi bien le mouvement des cieux, cela a été vrai pour la musique, puisque les rapports musicaux n'étaient que des nombres. Cela a été vrai pour absolument toutes les apparences, pour l'histoire, pour la datation, et même probablement pour les petits cailloux. Ces petits cailloux que les Latins appelaient calculus, c'est-à-dire ce avec quoi on fait le calcul. Donc même la structure atomique ou la structure intérieure des choses était exprimable par des nombres. Il y a donc dans cette théorie une sorte d'arithmétique universelle qui nous fait rêver aujourd'hui, parce que lorsqu'on voit même la mécanique quantique, elle dit un peu ces choses-là, ou même certains développements de nos algorithmes aujourd'hui, où on voit bien aussi que tout est nombre. Sur nos vaisseaux ensuite, Zeus, assembleur de nuées, fit lever un boré qui soufflait en affreuses rafales et recouvrit de brume et la terre et la mer. La nuit tomba du ciel. Nos vaisseaux soulevés par l'avant allaient à la dérive et la violence du vent déchira leur voilure en 3 ou 4 morceaux. Nous dûmes alors amener les voiles sur les nefs par crainte de périr. Et nous nous hâtâmes à grands efforts de rames de les pousser jusque vers le rivage. Là, durant 2 jours et 2 nuits de suite, nous restâmes étendus sur la terre, le cœur rongé de fatigue et de peine. Les Grecs se demandaient ce que c'était que la nature, comment elle était faite. La grande trouvaille des Grecs, c'est l'idée qu'il existe une nature, une physis, c'est-à-dire la physique. Le mot physique vient de ce mot physis qui veut dire la nature. Et il existe une nature inerte et une nature vivante. Et il faut explorer cette nature comme presque déjà comme un objet. On peut comprendre là l'explosion de la science grecque à ce que cette nature était indépendante des dieux. Au fond, avant les explorations de la science grecque, la médecine, la physique sont toujours plus ou moins mêlées
aux activités d'un devin, d'un prêtre, d'un exorciste, plus ou moins mêlées à des pratiques magiques, à des pratiques, disons, de l'histoire des religions. Chez les Grecs, il y a une vraie coupure entre le monde des dieux d'un côté et de l'autre, le monde de la science. Et c'est peut-être une des raisons du miracle grec. Et donc, Hippocrate de Cos, le corpus hippocratique, est un traité parfaitement objectif sur la clinique, sur les observations des maladies, sur la chirurgie. Et il a écrit un traité sur les luxations, un traité sur les foulures, un traité sur les fractures. Et non seulement c'était un excellent praticien en observation et en acte, puisque c'était un chirurgien, mais c'était surtout un théoricien. Et il a cherché à savoir quelle était la nature des êtres vivants, la nature de la santé, la nature de la maladie. Et c'est là peut-être que reviennent les nombres et l'harmonie. Parce que la théorie d'Hippocrate, c'est la théorie des humeurs. Les humeurs, c'est le sang, c'est la lymphe, c'est la bile, d'où la théorie des tempéraments. Vous êtes de tempérament sanguin, de tempérament bilieux, de tempérament lymphatique. Et la santé ou la maladie viennent de l'harmonie réussie ou ratée entre les éléments de ces humeurs, les éléments de ce mélange, les éléments de ce tempérament. Il ne faut pas oublier que tempérament, ça vient du mot tempérer qui veut dire mélanger. Et à l'intérieur de nous, ces humeurs se mélangent et ce mélange arrive à l'harmonie ou au déchirement. Et ainsi naît la maladie, la douleur et la souffrance ou au contraire, le retour à la santé. Le corps est assimilable à un paysage et du coup comparable à ce qu'on peut décrire des événements et des phénomènes qui se passent sur la Terre. Il y a donc dans le corpus hippocratique non seulement des études pratiques, mais aussi une théorie générale du vivant, de la santé et de la maladie. Et ceci caractérise tout à fait la médecine grecque et d'ailleurs la pharmacie également, puisque Dioscoride, qui est le pharmacien, disons, correspondant à ce que Hippocrate était en médecine, a aussi une théorie qui suppose cet objet qu'on appelle la phusis, c'est-à-dire la nature, pour la première fois sans doute indépendante des dieux. Je jure par Apollon, médecin, par Esculape, par Hygie et Panacée, par tous les dieux et les déesses, et les prends à témoin, que j'accomplirai selon toutes mes forces et mes capacités ce serment tel qu'il est écrit. Je regarderai comme mon père celui qui m'a enseigné la médecine, et je partagerai avec lui tout ce dont il aura besoin pour vivre. Je regarderai ses enfants comme mes frères. Je prescrirai aux malades le régime qui leur convient, avec autant de savoir et de jugement que je pourrai, et je m'abstiendrai à leur égard de toute intervention malfaisante ou inutile. Je ne conseillerai jamais à personne d'avoir recours au poison, et j'en refuserai à ceux qui m'en demanderont. Je conserverai ma vie pure et sainte, aussi bien que mon art. Je ne pratiquerai pas d'opérations dont je n'aurai pas l'habitude, et les laisserai à ceux qui s'en occupent spécialement. Lorsque j'irai visiter un malade, je ne penserai qu'à lui être utile, me préservant bien de tout méfait volontaire et de toute corruption avec les hommes et les femmes. Tout ce que je verrai ou entendrai dans la société, pendant l'exercice ou même hors de l'exercice de ma profession, et qui ne devra pas être divulgué, je le tiendrai secret, le regardant comme une chose sacrée. Si je garde ce serment sans l'enfreindre en quoi que ce soit, qu'il me soit accordé de jouir heureusement de la vie et de mon art, et d'être honoré à jamais parmi les hommes. Si je manque et me parjure, qu'il m'arrive tout le contraire. C'est ce serment qui est prononcé aujourd'hui encore par tout médecin qui veut exercer son art, le serment d'Hippocrate. Nous voici au bout du voyage. Et l'enfant grec ou Ulysse ou nous-mêmes, nous avons visité des îles ou des continents.
Et ces îles, on peut les appeler des sciences ou des disciplines. Il y a eu le continent mathématique, le continent astronomie, le continent physique, le continent médecine, pharmacie. Nous voici donc au bout du voyage. À un certain moment, la science grecque disparaît. Elle est née, nous savons quand, nous savons certainement où, nous ne savons pas très bien de quoi, mais nous savons qu'à un moment, elle cesse, elle s'endort et elle disparaît. Elle cesse d'irriguer la terre grecque. Mais ce qui naît quelque part reparaît ailleurs. Pour Ithaque, souhaite que le chemin soit long, riche en péripéties et en expériences. Ne crains ni les Lestrigons, ni les Cyclopes, ni la colère de Neptune. Tu ne verras rien de pareil sur ta route si tes pensées restent hautes, si ton corps et ton âme ne se laissent effleurer que par des émotions sans bassesse. Tu ne rencontreras ni les Lestrigons, ni les Cyclopes, ni le farouche Neptune si tu ne les portes en toi-même, si ton cœur ne se dresse pas devant toi.